Salut YouTube. Big et José Outdoor Adventure. Samedi le 1er juin. Et 6h50. On a enfin un premier ours qui vient. Je suis assis depuis 2 heures cet après-midi. Pourtant, c'est une super belle soirée. On va laisser les s'installer. J'aimerais en profiter pour remercier le groupe Facebook Les Accros de la chasse et de la pêche. Plus particulièrement, Mathieu Charest et Cédric Lamontagne qui me permettent de mettre mes vidéos sur leur groupe. Un gros merci. Je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui saluent tant d'aller joindre ce merveilleux groupe pour les amateurs de chasse et de pêche. Il se promène, il fait le tour de la bête. Il est à gauche. Il va redescendre. Sont couchés comme ça. D'habitude, ça veut dire qu'ils sont à l'aise et puis vont être couchés un bon bout pour manger. Que l'ours se relève pour mieux filmer son épaule gauche. On dirait que l'ours a une blessure. À moins que ça soit quelque chose de collé dans son poil sur l'épaule, mais on dirait que c'est un peu dissipé puis du sang séché, je sais pas.
Je sais pas s'il y a un autre ours qui s'en vient, mais le petit ours s'est levé là, comme une balle, puis il est parti. Il est 7h15. Ça faisait déjà 25 minutes qu'il était couché, puis il mangeait. C'est juste à peur. Je vais essayer de zoomer sur le blé. Peut-être chamoyé, mais il manque une ligne de poils sur l'épaule. Blanche. Là, il y a une feuille qui cache, là, mais il y a un petit spot blanc. Pas un fil, là, mais un rond. Ça, c'est la grosseur moyenne des ours qui sont les plus fréquents dans la population d'ours. Et c'est aussi la grosseur où c'est difficile de juger si c'est un mâle ou une femelle. Ça peut être un mâle juvénile, comme ça peut être une femelle de 5-6 ans. Selon vous, est-ce que c'est une blessure? Marquez dans les commentaires ce que vous pensez. Bien la patte blanche. Dans mon coin, c'est pas un signe très commun. On n'en a pas tant que ça.